Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Petite vidéo de remise à niveau de mon Max sauteur suite à la dernière vidéo que vous avez vue où j'avais cassé mon triangle inférieur. Ici, je l'avais recollé. Peut-être que là, il avait fondu avant, je n'avais pas vu, mais bon, il a cassé là. Donc voilà, vous avez vu, la vidéo, elle était courte. Le triangle supérieur, pareil, hein, voilà, donc je l'ai remplacé. Ça, c'est la première fois depuis que je roule en max que je remplace triangle, inférieur, supérieur. Et j'en ai profité aussi pour remplacer mon skid à l'avant, parce que ben il est bien attaqué, hein. Donc je l'ai remplacé aussi, donc voilà. Donc là, voilà, ça c'est un triangle que j'ai récupéré lors d'un autre max que j'avais passé en Winmax. Donc voilà, triangle d'occasion, mais proche du neuf, hein, il n'avait quasiment pas roulé. Pour le supérieur, c'est la même. Donc voilà, j'ai pu sauver trois vis. Celle-là, ben, je l'avais perdue, donc j'en ai mis une neuve. Donc le skid, avant, pour l'arrière, bon, il est pas mal attaqué. Mais il peut faire son job encore, hein, il est pas, on va l'emmener jusqu'au bout. Hein. Moi, ça, de toute manière, ça reste du consommable, il n'y a pas de problème. Mais ça résiste mieux que ceux du X-Max. Et puis là, je viens voir, là, je contrôle, je le fais avec vous, je contrôle mes cardans. Donc là, rien de particulier, on va dire. L'arrière, je ne sais pas si on y voit. Légèrement faussé, légèrement voilé. Et là, sur celui-là, bah celui-là, il est quand même un petit peu faussé. Voilà, pas tordu, mais légèrement faussé. Bon, ça va rouler encore comme ça. Hein. Voilà, on le voit là. Vous voyez, voilà, donc il a bougé, il faudra que je pense à contrôler chez les Winmax aussi. Donc celui-là, ce max sauteur, il doit avoir 1500 sauts environ, donc c'est celui où je fais les plus gros sauts avec, hein. Il n'y a pas de problème. Les jantes, celle-ci, je ne sais plus laquelle, mais les jantes d'origine, c'est avec les pneus Schwinschleider, je ne sais plus comment ils s'appellent à chaque fois, j'oublie le nom. Moi, depuis que je les ai, ça fait plusieurs mois, j'adore ces pneus-là comparé à ceux d'origine. Devant, là, on voit que ben, la jante, elle est fendue ici, elle est fendue ici, voilà. Là, elle n'est pas terrible. Je vais repasser, je vais recontrôler. Ouais, elle est fendue là aussi. Donc, bon, ça tient toujours. Hein. J'espère que ça ira jusqu'à la fin des pneus. Hein. Les pneus, ils s'usent lentement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc là, de ce côté-là, là, la jante, ouais, il y a une petite fissure là. Ici, une petite fissure, ah ouais, même bien fissurée. On le voit, vous voyez, quand j'écarte, donc là, je vais recoller tout ça. Ici, c'est ma jante. Vous voyez, elle est cassée. Ça fait très longtemps qu'elle est cassée. Hein. Je l'avais réparée, donc je renvoie un coup de colle régulièrement dessus. Là, elle est cassée là aussi. Mais bon, elle tient le choc. Hein. Voilà. Donc, bon, je vais repasser un coup de colle partout, tout autour, hein. À chaque fois j'écarte le pneu, dès que je vois que ça baille un petit peu, hop, je remets de la colle, voilà, je passe un petit coup de brosse pour nettoyer avant que ce soit propre, et un petit coup de colle, donc voilà, ben, ce max, pour moi, je le dis, je leur dis, je fais de très gros sauts au même endroit qu'avec le X-Max, et je le redis, pour moi, c'est mon avis personnel, dans les mêmes conditions, ce Max est plus costaud qu'un X-Max.
Ah, vous avez vu tous les soucis que j'ai eus sur mes X-Max, hein. Bon, là, j'ai eu quelques soucis, c'est vrai, souvent problème électro. Bon, j'avais eu le problème que j'ai solutionné pour ma couronne qui se bouffait, hein, que j'avais remplacée par le cache GPM. Et puis récemment, vous l'avez vu aussi, j'ai monté le support moteur complet GPM. Voilà. Donc là, c'est un ensemble complet. Et là, vous voyez qu'il ne tient plus avec du scotch. Je l'ai fixé directement sur la platine. Donc on verra si ça tient. Voilà. Sinon, excellente machine. Excellente machine. Je rappelle bon, que c'est l'électro-Arma. Donc pas de ventilo-moteur. Le contrôle Arma aussi. Bon, j'ai saqué le ventilo parce que ben, à chaque fois, mes fils se dessoudaient. Donc ça tourne, j'ai pas de ventilo, il chauffe sans plus, donc ça va très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Et j'avais modifié récemment mon rapport, comme vous avez pu le constater maintenant, il tourne uniquement en 4S. Donc voilà, excellente machine, c'est excellente machine, le max, pas de souci. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.